Bonsoir à tous et bienvenue ici au stade Vélodrome à Marseille pour cette affiche de la 11e journée du championnat de France de division 1 saison 84-85. Marseille-Monaco, deux destins bien différents. Le promu marseillais 17e au coup d'envoi de ce match, début de saison difficile pour les Olympiens. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas eu un calendrier aussi bien favorable puisqu'ils ont joué tous les gros du championnat déjà. Et Monaco, lui, troisième, certes qui fait un bon début de championnat, mais qui a besoin de points pour ne pas être décroché par Bordeaux, le leader, et Nantes, le deuxième. Alors au niveau de la compo des équipes, Bracci, un capitaine ce soir, et Cunningham, Zenier, Laling, toujours ce trio offensif marseillais dont on attend beaucoup mieux, mais qui malheureusement, pour l'instant, a du mal à trouver la bonne carburation. Et côté monégasque, Anziani sera seul en pointe, alimenté par Bellone sur le côté gauche et Gengini dans l'axe. On aura le milieu de terrain, la présence de Stojkovic et Daniel Bravo. Et Monaco qui doit aujourd'hui avoir comme objectif de venir faire un résultat ici pour rester vraiment au contact de Bordeaux et de Nantes. Et Marseille, lui, doit absolument s'imposer pour sortir de la zone dangereuse. Les Marseillais 17e, on l'a dit. Là, c'est Francini pour Laling. La ligne qui adresse un long ballon en profondeur et le Roux qui sort ce ballon. Et ce sera un premier corner et Marseille qui joue très vite dans le camp monégasque. On est seulement à la deuxième minute. Et là c'est Rubio, mais c'est sans danger. Et Jean-Luc Ettori qui s'empare du ballon. Alors c'est vrai, une équipe marseillaise depuis le début du championnat qui a pris l'essentiel de ses points à domicile, mais qui voyage très très mal à l'extérieur. Alors on verra ce soir ce que ça va donner. Là c'est Amoros qui est bien décalé par Bravo. Amoros aux prises avec Flak. Amoros qui continue, qui gagne son duel. Il insiste, il centre, mais il ne trouvera personne à la retombée de ce ballon. Là ça revient sur Puel qui sert Gengini, il ne le trouvera pas. Ça revient sur Puel encore, à qui voulait décaler Stojkovic, mais il ne l'a pas trouvé. Et Marseille va pouvoir se relancer, en tout cas Monaco qui a essayé de mettre le nez à la fenêtre là, tout comme Marseille l'avait fait dès la deuxième minute. Deux équipes qui ont besoin de points, l'a dit. Là, un long ballon pour la ligne en profondeur. Ouais, la ligne, bon contrôle qui donne à Zenier. Bernard Zenier qui arrive tout seul. Oh là là, il est fauché, mais c'est le but. Et c'est le but pour l'Olympique de Marseille qui ouvre le score. Des Marseillais efficaces. Il n'avait pas été souvent efficace depuis le début de saison. Et voilà, et on va revoir ce but car on pensait que l'action était avortée et que Jean-Luc Ettori avait gagné son duel, mais il n'en fut rien. Et Zenier qui était au bout de son action et qui ouvre le score 1-0 dès la 10e minute pour Marseille, alors que les deux équipes avaient eu une occasion chacun. On revoit, superbe contrôle de la ligne et là il donne au bon moment pour Zenier. Zenier qui est stoppé par Leroux. Ah oui, on croit que Leroux a gagné son duel, mais finalement, il a le contre favorable. Bernard Zenier, on notera la très bonne distribution de balles de la ligne. Voilà, voilà, et ouais, en fait, Ettori est sorti. Il a eu un contre favorable, Bernard Zenier. Et ça suffit au bonheur des Marseillais. 1-0 dans un match où il ne s'était pas passé grand-chose pour l'instant. Et voilà Marseille qui mène 1-0 face à Monaco. Alors bien sûr, c'est une très bonne opération pour l'instant, mais le match ne fait que commencer. Ouais, des monégasques cueillis à froid, on va dire, alors qu'il ne s'était pas passé grand-chose. Il n'y avait pas eu de danger pour l'instant dans ce match. Mais voilà, Marseille qui a emballé la rencontre et qui mène 1-0. Alors ça va obliger forcément les monégasques maintenant à jouer de plus en plus haut et prendre des risques pour revenir rapidement dans la partie. Anziani perd le ballon. Et la ligne, un passeur décisif. Hein, Cunningham, ouais, très bonne talonnade pour Zenier. Ça récupère, c'est un peu brouillon pour l'instant. Et l'arbitre qui met fin à cette phase de jeu en sifflant une position de hors-jeu au départ de Zenier. En tout cas, Marseille, ça n'a pas été souvent le cas cette saison, mais qui s'est montré très efficace pour l'instant. Avec une occasion et un but. Et là, c'est Bijota qui va récupérer le ballon. Petit moment de flottement hein, dans l'équipe monégasque qui a un peu de mal à se remettre de ce but encaissé. Et là, c'est une position de hors-jeu de Bellone. Mais c'est vrai que la distribution de balles est un peu laborieuse pour l'instant. Et Marseille, on ne cesse de le répéter, qui a besoin de points. 17e au coup d'envoi de ce match. Mais on le savait hein, que Marseille, cette saison, allait jouer le maintien malgré un recrutement intéressant. Mais ça reste quand même difficile. Attention, là, c'est Zanon qui ne pourra pas récupérer ce ballon. Et c'est Anziani, contre-attaque monégasque.
Anziani qui va servir Bellone, c'est bien joué là-bas. Et Bracci qui vient son contact. Bellone qui évite la sortie, qui donne à Bravo. Bravo qui va centrer. Il voulait chercher Gencini, il ne l'a pas trouvé. Et ça revient sur Bellone pour Amoros. Grosse possession de balle monégasque et ce sera contré en corner. Voilà, c'est un corner pour Monaco. Et forcément un scénario maintenant un peu prévisible. Monaco qui va se jeter dans le camp marseillais pour essayer de revenir le plus rapidement possible, car on le sait, le plus vite les monégasques égaliseront, le plus vite ils auront l'espoir de renverser ce match. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Attention, gros pressing de monégasque. Bijota qui récupère un ballon perdu, qui frappe et ça passe juste à côté de la cage de Lévy. Voilà la grosse occasion monégasque, avec grosse fébrilité de la défense marseillaise. Là, ouais, c'est un ballon perdu. Gros pressing et Bijota qui frappe. Lévy était battu, ce ballon qui passe à côté. Et toujours 1-0 pour Marseille, mais on sent depuis là quelques minutes que Monaco, décidément maintenant, remet le pied sur le ballon. Allez, il y a une grosse occasion. Ndiani, situation pour Stojkovic qui est décalé. Il y a peut-être un coup à faire. La frappe, et ça frôle le poteau de Lévy. Et c'est la deuxième occasion monégasque là en moins de 5 minutes. Et Ndiani qui avait bien décalé Stojkovic qui était oublié par la défense de l'OM. Lévy était battu encore une fois. Et là ça commence à devenir flagrant. Maintenant Monaco domine cette rencontre. Mais Monaco qui court après le score. Marseille qui souffre depuis quelques minutes. Là, c'est Puel qui sert Stojkovic. Bijota. Pour Bravo, il a vu Bruno Bellone, ouais, mais c'est sorti, ou attention, c'est un peu sorti à l'emporte-pièce, ça, et ça revient dans les pieds monégasque. Bellone, Gencini, qui perd le ballon. Gencini, c'est peut-être une situation de contre pour Marseille, c'est bien joué. Zénier pour Zanon, Zanon qui file au but tout seul. Zanon, il est repris au dernier moment, attention, il y avait un gros trou dans la défense monégasque, et Zanon qui n'a pas pu en profiter. Ça aurait été quand même le hold-up, là, si l'OM avait marqué ce deuxième but. Il s'en est fallu peu et un retour in extremis d'Yvon Leroux qui a évité à Jean-Luc Ettori une situation un peu compliquée. 34e minute. Et en tout cas, les Marseillais qui jouent en contre maintenant. Et c'est Monaco qui domine ce match. Ndiani peut servir Bellone, il ne trouvera pas Francini. Amoros. Bellone encore. Sur le côté face à Bracci. Il arrive à centrer malgré l'interposition du joueur marseillais. Bravo qui frappe, ça revient sur Ndiani, mais les deux au but, quoi. Il ne peut pas pu redresser ce ballon, Philippe Ndiani. Beaucoup de débauche d'énergie côté monégasque, mais pour l'instant c'est quand même un peu brouillon. Non, il ne peut rien faire, il est dos au but, c'est pas du tout cadré. Alors à la mi-temps de ce match, nous verrons une grosse affiche en division 1, Auxerre, qui recevait Auxerre 4ème, qui recevait Bordeaux, le leader. Il y a aussi un Metz PSG et en division 2 Saint-Etienne-Grenoble. Et là c'est Bellone, attention, Bellone qui rentre dans la surface de réparation. Bellone qui veut frapper, il oblige Lévy à une parade, mais il était un peu trop excentré. Bruno Bellone bien servi là. Il y avait un gros travail d'Anziani au départ de cette action. Anziani qui joue en pivot et qui aussi est dans un rôle souvent de passeur. Et belle parade de Lévy, toujours 1-0 pour Marseille. Monaco qui pousse avant la mi-temps. Et là c'est Gencini. Gini qui va tirer ce corner, la tête de Bijota, et ça passe juste à côté. Et encore une chaude alerte pour les Marseillais. C'était bien joué, ouais, il avait bien coupé ce ballon au premier poteau, mais malheureusement ce n'est pas cadré. Et Monaco qui continue de bousculer une équipe de l'OM qui souffre de plus en plus. Pour Marseille, je pense qu'il est très important de regagner les vestiaires avec ce but d'avance. La ligne bien servie, ouais, mais Leroux s'interpose. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu les Marseillais jouer dans le camp monégasque. Il y a un gros pressing d'Ndiani, Bracci, Zanon, Flack, on fait bien tourner pour Jean-Pierre Bade qui sert la ligne dans la profondeur, mais ça revient. Francini qui sert la ligne encore, qui va être aux prises avec Ernesto Simon. La ligne qui gagne son duel, mais c'est sorti par Leroux. Attention, c'était dangereux ce ballon. Et Rubio qui veut servir Zénier, mais c'est finalement sorti. Et Stojkovic qui va récupérer, l'arbitre devrait siffler la mi-temps. Voilà, 1-0 pour l'instant, c'est un peu contre le cours du jeu. Mais c'est bien Marseille qui mène 1-0. On se retrouve dans 15 minutes pour la seconde mi-temps.
Auxerre 4e qui reçoit Bordeaux le leader, un des Bordelais toujours invaincu dans ce championnat au soir de cette 11e journée. Et Bordeaux qui va essayer d'emballer le match mais qui va tomber sur une équipe d'Auxerre très rugueuse. L'arbitre qui sanctionne déjà d'un premier carton Alain Fiard sur cette faute. Ensuite il y aura une tête déviée de la Combe à la 5e minute. Les Bats se couchent bien. Et Bordeaux qui aura finalement beaucoup de mal à produire du jeu. Et Auxerre va se créer une belle occasion à la 15e minute sur un centre de Zarmac et Dagnaud qui ne peut pas couper la trajectoire du ballon. Match légèrement à l'avantage des Bourguignons. Là c'est Garande qui tente sa chance mais c'est dans les bras de Dropsy. Des Bordelais plutôt discrets à la 50e minute. On verra Tussaud décaler Chalana. Chalana qui centre pour la Combe de la tête mais ça passe au-dessus de la cage de Joël Batz. Chaude alerte pour les Bourguignons. Mais c'est Auxerre qui va reprendre le cours du jeu. Zarmac qui décale Ferreri. Ferreri qui va se jouer de Touvenel. On va le voir sur cette phase de jeu. Qui redonne à Charles. Charles qui centre mais il ne trouvera pas la tête de Cantona. Le ballon file devant la cage de Dropsy. Mais c'est bien Auxerre qui domine dans cette deuxième période. Zarmac qui frappe. Le ballon est repoussé. Ça va être récupéré par Barret. Barret qui va centrer, mais là il rate complètement son centre et c'est en sortie de but. Mais on l'a dit, c'est bien Auxerre qui domine, une équipe de Bordeaux assez discrète. Là c'est Zarmac à la 79e minute qui joue avec Ferreri. Il redonne à Perdrio qui redécale Ferreri. Il y a un décalage, il va pouvoir centrer et c'est Cantona de la tête qui vient ouvrir le score. 1 à 0 pour la JOCR, c'est logique car vraiment ce sont les Bourguignons qui ont dominé ce match, surtout en deuxième période. C'est une équipe de Bordeaux visiblement un peu émoussée. On le rappelle, à Bordeaux invaincu depuis le début du championnat. Ferreri encore un superbe travail sur le côté et très belle détente de Cantona qui vient catapulter ce ballon sous la transversale de Dominique Dropsy. Ça fait 1-0 pour Auxerre. Et la fin de match est décidément très difficile pour Bordeaux qui ne cesse de subir. Là, c'est Giraldès qui se joue de Tussaud sur le côté droit. Il centre, Zarmac de la tête et ça passe à côté. Dominique Dropsy avait glissé au départ de l'action, il était battu. Bordeaux qui souffre vraiment et qui est nettement dominé en cette fin de rencontre. On va revoir ce centre et là, regardez, Dominique Dropsy qui glisse au départ. Le ballon aurait très bien pu finir au fond des filets. Score final 1-0. C'est la première défaite de Bordeaux cette saison. Il y aurait pu avoir un second but dans les arrêts de jeu. Zarmac qui file au but. Et Dominique Dropsy qui s'interpose. Bordeaux est battu pour la première fois de la saison. Match référence pour Auxerre qui reste quatrième. Et Bordeaux, on le verra, qui se fait rejoindre au classement par le FC Nantes. Metz, PSG, deux équipes qui vont mieux ces dernières semaines puisque les Messins sont remontés à la 7e place et Paris est 9e. Deux équipes qui occupaient le bas de tableau il y a encore quelques journées de cela. Et on va voir que hier soir on a assisté à un très très beau match à Saint-Symphorien. Dès la première minute, ça commence très vite. Sonore qui alerte Jean-Philippe Rohr qui sert Kurbos dans la profondeur. Il va plus vite que Janol. Kurbos qui centre et il faut une intervention de Battenay pour écarter ce ballon qui était dangereux. La touche qui suit, Kurbos qui centre et Bokande qui ne peut pas reprendre. Il avait tenté un retourné acrobatique mais la contre-attaque de Paris va être fulgurante. Guillochon qui sert Rocheteau. Rocheteau qui lance en profondeur Safet Suzik un peu oublié par la défense. Il frappe et c'est le poteau qui vient sauver Michel Etor qui est tout heureux de récupérer ce ballon. Un match qui démarre sur les chapeaux de roue et on va le voir, ce sera un peu toute la soirée comme ça entre deux équipes qui se sont projetées vers l'avant, qui ont produit du jeu. Brasigliano 17e minute pour Insberger qui tente sa chance et s'y détourner un ballon qui était dangereux. 26e minute, Brasigliano encore lui, cette fois-ci il est contré. Niederbacher qui récupère, qui joue avec Suzik qui décale pour Lemou. Lemou qui résiste à deux Messins pour jouer avec Guillochon. C'est très bien joué. Guillochon qui centre et Niederbacher de la tête et c'est dans les gants.
de Michel Etor. On l'a dit hier soir, deux belles équipes vraiment qui ont produit un très très beau football, très offensif. Et juste avant la mi-temps, sur ce ballon qui revient dans le camp parisien, Kurbos, Brasigliano, qui va tenter sa frappe de loin, mais ça passe à côté de la cage de Dominique Baraté. Corner à la 54e minute pour Paris. Jean Vion qui récupère pour Guy Auchon. Il donne à Fernandez. Pour Guy Auchon, le ballon est perdu. Et là, il y a une contre-attaque Messine. Bocandé. La Bocandé au milieu de deux joueurs parisiens arrive à faire le décalage. Kurbos qui sert en profondeur Jean-Philippe Rohr. C'est très bien joué. Rohr qui frappe et ça frôle la cage de Baratelli. Très belle action. Et on va revoir au départ le gros travail de Bocandé. Il est fauché. On pense qu'il a perdu le ballon. Mais finalement, l'action continue. Et Jean-Philippe Rohr qui croise un peu trop sa frappe. Mais c'était vraiment très bien amené par les Messins. Match très agréable à Saint-Symphorien malgré qu'il n'y ait pas eu de but. 81e minute. Niederbauer qui perd le ballon. Bocandé et là qui va subir un petit traitement de faveur. L'attaquant du FC Metz hier soir était très enjambé forcément. Les Parisiens ont dû employer la manière forte pour l'arrêter. Jules Bocandé qui fait un très très bon début de saison avec le FC Metz, la nouvelle recrue Lorraine, et on va en rester là 0-0, mais en tout cas c'était un très beau match et deux équipes qui pour l'instant restent sur leur dynamique actuelle. Saint-Étienne-Grenoble pour les Verts. La cote d'alerte est déjà atteinte. 14e du championnat. Et les Verts qui inquiètent de plus en plus et qui doivent maintenant absolument renouer avec la victoire. Une victoire qui n'est pas arrivée depuis la fin du mois d'août. Ça devient très inquiétant des Verts, on le rappelle, qui jouaient à la montée, qui sont 14e actuellement et qui reçoivent Grenoble. On peut parler d'un petit derby. Mais c'est vrai que Saint-Etienne va prendre le match à son compte. Là, c'est Roger Mia qui presse Jean-Paul Noël. Il oblige à une mauvaise relance du défenseur grenoblois, Jean-Pierre Sab, qui redonne à Mia, qui sert Ribard. Ribard qui file au but, mais il faut une intervention de Guiguet. Et on va le voir que hier soir, le gardien grenoblois a été particulièrement performant. Là, c'est Ribard de la tête et c'est encore un arrêt réflexe du gardien grenoblois qui sort ce ballon de manière assez inespérée. Et une défense iséroise qui est de plus en plus en difficulté. Et là encore une fois, Guillet, on le voit sur cette frappe qui détourne ce ballon en corner. L'arbitre aurait même pu siffler une faute sur Roger Mia au départ de cette action. Qui a été fauché juste en dehors de la surface de réparation. Nous sommes à la 46e minute et là il va y avoir certainement le tournant du match. Corner pour Grenoble. Robert Buig qui veut jouer. Petit ballon, il le perd. Le ballon. Et là, ça va aller très très vite. Mia qui sert Bellus qui était parti dans le dos de la défense des visiteurs. Et Bellus qui vient ouvrir le score d'une pichenette très astucieuse. 1-0 pour Saint-Etienne. C'est totalement mérité. Les Verts ont mis donc 50 minutes pour trouver le chemin des filets. Et on notera que l'origine du but est donc une grossière erreur sur ce coup franc qui a été très mal joué par les Grenoblois. A partir de ce moment-là, le match va complètement basculer en faveur des Verts. Et là, c'est Mia qui est bien lancé par Bellus et qui vient doubler la mise 2-0. Il y a bien longtemps, d'ailleurs, c'est la première fois depuis le début de saison que les Verts sont aussi efficaces et font le break dans un match face à des Grenoblois qui, on le rappelle, faisaient un très bon début de saison. Mais qui, hier soir, se sont littéralement noyés à Geoffroy Guichard. On revoit le début de l'action, magnifique, hein. Échange entre Bellus et Mia. Et Mia qui vient concrétiser. Ça fait 2-0 pour les Verts. La domination des Verts va continuer. Les Grenoblois sont en grande difficulté. Là, c'est Bellus qui sert Ribard. Ribard qui centre. Un ballon qui va revenir pour Ferry. Et tête de Mia. Et ça passe juste au-dessus. Nous sommes à la 81e minute. Sapo qui perd le ballon, Pesnon, Jean-François Daniel, Robert Sab
Il lance Mia dans la profondeur. Ribard qui récupère, qui frappe. Et superbe parade de Guiguet. Décidément, le gardien grenoblois hier soir a été l'un des seuls joueurs visiteurs à être d'un très très haut niveau. Et là, nous allons assister à un petit clin d'œil en cette fin de match. Regardez, Bellus, 91e minute. Il joue avec Kanjini qui venait de rentrer. Il redonne à Bellus qui redécale Kanjini. Et là, suivez bien l'action. Il va centrer pour qui? Pour Lobo Diarte, l'attaquant paraguayen de Saint-Étienne qui n'avait pas encore porté le maillot vert depuis le début de saison car il n'entre pas dans les plans d'Henris Katperzak. La dernière fois qu'il avait joué sous les couleurs stéphanoises, c'était en première division lors de la 35e journée. Il y a bien longtemps qu'on n'avait plus vu Lobo Diarte. Il était rentré en jeu et il a marqué hier soir. Alors est-ce qu'on le reverra souvent cette saison sous le maillot vert? On ne le sait pas, mais en tout cas, Lobo Diarte se rappelle au bon souvenir des supporters stéphanois. 3-0 pour Saint-Étienne. Les Verts ont enfin réalisé un match référence, un match de qualité. Il était temps. Et cette victoire permet aux Verts de passer de la 14e à la 10e place. Certes, une 10e place que les Verts ne peuvent pas se contenter. Il faudra maintenant enchaîner pour enfin lancer la saison. Mais enfin, ça fait du bien. Saint-Étienne gagne enfin 3-0 face à Grenoble. Et nous revoilà ici à Marseille pour le coup d'envoi de cette deuxième période. Alors vous l'avez vu pendant la mi-temps de ce match, Bordeaux a battu à Auxerre, ce qui relance beaucoup de choses. On verra le classement à la fin de ce match. Là c'est un centre et c'est un ballon qui sort. Alors je ne sais pas s'il y a une sortie de but ou c'est un corner. On va revoir ça sur ce long ballon de Puel à destination de Stojkovic qui centre. Ah oui, c'est une sortie de but, c'est Bellone qui a tenté une reprise acrobatique et Monaco qui, d'entrée de jeu, comme il l'avait fait en première mi-temps après avoir été mené, remet une grosse pression sur le camp marseillais. Alors on l'a vu dans ce championnat, Bordeaux, le leader qui a été battu à Auxerre, et Metz PSG 0-0, vous l'avez vu, et en division 2, Saint-Etienne qui s'est enfin remis à gagner, qui a battu Grenoble, on l'a vu. Espérons pour les Verts que le championnat maintenant va se déroulé sous de meilleurs auspices qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Et là c'est un coup franc pour une faute sur Bellone. C'est Bracci qui vient faire une faute sur Bruno Bellone. Et pour l'instant on a l'air d'être dans la même configuration que la première mi-temps, c'est-à-dire Monaco qui domine, qui joue dans le camp de l'OM et qui court après le score, car on le rappelle, c'est bien Marseille qui mène 1-0. Francine, il a perdu le ballon, Bijota pour Bellone qui frappe. Oh là là, mais c'est juste à côté. Et c'est encore Lévy qui vient s'interposer. Grosse occasion monégasque sur un ballon perdu. On va revoir ça. Ah ouais, belle déviation d'Anziani pour Bellone. Oh là là, ce ballon qui effleure le montant de Lévy. Alors je ne sais pas si on a peut-être pas d'autres ralentis à vous proposer malheureusement. Mais un ballon vraiment qui passe à côté. C'est Bellone au corner. Bellone, déviation de Bijota. Stojkovic. Et voilà l'égalisation. L'égalisation de l'AS Monaco. C'est mérité. Et oui, c'est logique. Car Monaco poussait depuis déjà la première mi-temps. Avait eu des grosses occasions. Et là, il y a eu cet arrêt de Lévy qui avait évité le pire aux Marseillais. Et bien voilà, Marseille qui n'aura pas tenu bien longtemps dans cette seconde période. Et ça va être maintenant un tout autre match. Oui, déviation de Bijota et Stojkovic qui vient catapulter ce ballon. Très beau corner de Bellone. Déviation de Bijota et voilà, Stojkovic qui s'élève plus haut que tout le monde et qui vient égaliser. C'est complètement logique. Monaco qui dominait vraiment ce match, qui a été surpris par le but marseillais en première mi-temps. Et ensuite, Monaco dominait, c'était un peu un match à sens unique. Et c'est logique que Monaco revienne. Maintenant, on va voir si Marseille a une capacité de réaction pour repartir de l'avant. Et si Monaco aussi a lui les moyens de renverser ce match. Car on le rappelle, après avoir poussé pendant plus d'une mi-temps, c'est vrai que la dépouille d'énergie est assez importante. Et là c'est Lopez qui donne à Rubio pour Zanon. Zanon qui perd le ballon. Il est pris par Gengini qui veut servir Anziani là-bas, mais c'est bien couvert
et Jean-Pierre Bade qui va pouvoir écarter le danger. Francini a mis un gros pressing monégasque, on le voit, les monégasques qui jouent très très haut. Là c'est Lopez qui veut servir la ligne récupérée par Jean-Louis Zanon. Ah, mais il est pris, eh oui, il est pris au milieu de terrain. Il y a un gros pressing de Monaco. Là c'est Bijota, Bijota qui monte, Bijota qui a du champ, Bijota qui va peut-être pouvoir frapper. Ah, il a voulu donner un ballon. C'était bien joué, c'était bien joué, mais Lévy avait anticipé. Quelle action de Monaco là. Une défense marseillaise un peu vraiment à la dérive. Un match qui commence à sentir le chaos là maintenant. Et on le rappelle, hein, Monaco qui ne peut pas vraiment se contenter de ce match nul pour l'instant. Ce ne serait pas une très bonne opération pour les monégasques. Cunningham qui s'est re-zaigné. Ouais, mais Ernesto Simon avait anticipé. Il jouait avec Bijota. Et Marseille, hein, qui tente des coups, mais pour l'instant, les monégasques sont bien en place. Et Marseille qui tient aussi de son côté, hein, ça va d'un but à l'autre. Anziani qui a voulu être servi là, mais il ne sera pas trouvé. C'est Zénier, contre-attaque de l'OM. Zénier qui non, finalement perd son duel. Et Ernesto Simon qui veut servir Anziani. Bon, il ne le trouvera pas. Mais peut-être que l'erreur de Monaco, c'est de lancer des longs ballons en profondeur. On cherche Anziani en pivot. Peut-être que c'est peut-être pas la meilleure solution. Attention là, c'est des longs ballons maintenant. Ouais. Ça commence à s'étirer beaucoup. Les deux équipes qui... Ouh là, attention, relance... Heureusement sans danger, mais c'est mal repris derrière. Attention, Rubio qui récupère un ballon perdu par Puel pour Cunningham. Rubio, Lopez, il y a une bonne possession de balle de l'OM. Là, Cunningham qui est servi, Cunningham qui va pouvoir déborder, Cunningham qui va centrer. La tête de Cheo, la ligne qui passe au-dessus. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu une occasion de l'OM. Mais c'était bien joué, il y avait une bonne distribution de balles. Et Cunningham, hein, qui a débordé. Très bon centre et le ballon est quand même bien... redressé par la ligne parce que c'était une position difficile. Et là il y a du changement, Tibeuf qui rentre et Benoît. C'est un peu du poste pour poste côté monégasque. Mais en tout cas Marseille qui curieusement après avoir encaissé ce but est venu jouer dans le camp monégasque. Et c'est vrai que pour l'instant on n'a pas trop vu d'occasion monégasque. Monaco n'a pas réussi à reprendre psychologiquement la main sur ce match. Leroux, ah, il voulait servir Tibeuf, mais il ne l'a pas trouvé là. Et c'est Lopez qui va pouvoir jouer avec Flack. Il reste 16 minutes à jouer, on rentre dans le dernier quart d'heure. Et on sent que les deux équipes veulent vraiment forcer la décision. Là, c'est Bellone. Il joue avec Gengini, Bijota. Gengini encore qui a récupéré ce ballon pour Eric Benoît qui vient de rentrer. Eric Benoît sur le côté, il est face à Jean-Pierre Bade. Eric Benoît qui centre. Ouais, mais là, il y aura une position de hors-jeu, je pense, signalée. Ouais, c'est... Alors, c'est... Ouais, c'est Bijota qui était hors-jeu au départ de l'action. Ce n'est pas Tibeuf. Et Monaco, quand même, qui n'a pas su renverser ce match une fois l'égalisation obtenue. On pensait que Marseille allait souffrir. Et finalement, il y a eu un regain de forme des Olympiens. Là, il reste 10 minutes à jouer. Zanon pour Rubio. Un gros pressing monégasque, Lopez. Et les Marseillais sont pour l'instant assez propres dans leur transmission de balle. Mais là, ils ont perdu le ballon. Là, il suffisait de le dire. Bijota, Bijota qui sert Bellone en profondeur. Ouais, mais Lévy avait anticipé. Et sans conséquence pour l'instant. Et Jean-Pierre Bade qui adresse un long ballon à la ligne qui dévie pour Marc Pascal qui est rentré en jeu. Ouais, mais là il y a une faute, non, l'arbitre laisse jouer. Ah, c'est un peu brouillon cette fin de match, on a du mal à mener ces actions au bout, ça manque un peu de fluidité, surtout côté monégasque. Bellone, Bellone qui veut servir, ah non, pas du tout, ah oui, ouais, il avait lancé Tibeuf au côté droit, mais Tibeuf avait fait l'appel côté gauche. Et malheureusement Monaco qui n'arrive pas à produire du jeu en cette fin de rencontre. C'est Marseille, hein, qui là, tente un coup avec Marc Pascal qui est parti en profondeur. Oh là, la faute. Ah, il y aura une faute. Et là, l'arbitre qui va certainement sanctionner d'un carton. À moins que... Alors, on ne sait pas. Non, il n'y a pas de carton. Alors, c'est très surprenant parce que Marc Pascal, il partait au but là. Ah oui, il touche le ballon. Ah, il touche le ballon à Moros. C'est pour ça, finalement, c'est très bien arbitré. La faute paraissait grotesque au départ de l'action. Là c'est Zanon. Ouais, mais c'est bien tiré, mais c'est dans les gants des Tori. En tout cas Marseille qui aura tout tenté en cette fin de rencontre. Et là il y a une intervention alors qui paraissait illicite d'Amoros mais qui finalement était très correcte. Et l'arbitre finalement a pris la bonne décision
en mettant pas de carton. Allez, Bellone, on joue la dernière minute de jeu, qui veut centrer pour Tibov de la tête, mais il ne trouvera pas. Et il semblerait, il reste allez, une minute à jouer, que l'on se dirige vers ce match nul. Voilà, c'est terminé. Score final, un partout, un match nul qui n'arrangera personne. Marseille qui restera englué en bas de tableau. Et Monaco qui perd des points justement. Alors on va voir un peu, on verra l'ensemble des résultats de cette soirée. D'ailleurs, voici le classement. Alors ce qui change, c'est que c'est Nantes, hein, qui prend la première place avec 17 points. La différence de but face à Bordeaux. Bordeaux qui a subi sa première défaite. Suivent Monaco 3ème avec Auxerre. On notera la belle 5ème place, hein, de Nancy. Et 6ème Laval aussi, qui fait un bon début de championnat. On va regarder un peu dans le bas de tableau. Et on voit que c'est compliqué à partir de Brest 14ème, Rouen 15ème, avec Marseille 16ème avec 9 points. Attention, 17ème Sochaux 8 points, ça va pas fort, ça va très mal aussi pour les Lillois. Les Dogs sont 18ème avec 8 points, Bastia 19ème avec 8 points, et c'est Tours, la lanterne rouge, avec 7 points. Voilà, merci de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt pour d'autres matchs de cette saison 84-85. Merci, ciao.